Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidentes, présidents et représentants des associations, des forces de sécurité, du personnel médical, des sociétés civiles et privées, du personnel enseignant, des cultes. Mesdames et messieurs les artisans et commerçants, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, très chères ostricourtoises et ostricourtois, chers amis, alors qu'il est de coutume, lors des vœux du maire, de revenir sur l'année écoulée et d'élaborer une brève présentation des perspectives de l'année nouvelle, devant un parterre d'administrés et de personnalités, cette cérémonie des vœux prend une tournure tout à fait inhabituelle et que nous espérons unique en son genre. L'année 2020 est derrière nous. L'année que certains, sans avoir un don de divination, avaient qualifié et noté en janvier dernier d'année 20 sur 20, est une année à vite placer aux oubliettes, même si nous risquons de nous en souvenir longtemps. Il y a un an, nous étions loin de penser ce que l'on allait vivre. On parlait déjà de coronavirus. Mais nous étions loin d'imaginer ce que nous allions traverser et les usages qu'il nous faudrait apprivoiser. Une pandémie mondiale, règles sanitaires, lavage des mains répété, distanciation sociale, masques, confinement, isolement presque total pour nos aînés, déconfinement, reconfinement, déconfiture pour l'économie, hôpitaux et son personnel soignant en danger. J'en passe. Cet isolement forcé a néanmoins eu parfois l'effet inverse aussi de mieux nous comprendre et de nous rejoindre, de nous rassembler. Rapprochement limité à 1 mètre des uns des autres. Mais beaucoup d'entre vous ont regardé davantage vers leurs voisins, s'il ne fallait pas leur apporter une aide quelconque, votre soutien. Solidarité naturelle et une prise de conscience de l'ampleur de cette catastrophe qui nous touchait mondialement de plein fouet. Il fallait réagir et nous battre contre un ennemi invisible, mais cependant, cette lutte était devenue étrangement moins individualiste, l'échange, le collectif l'emportait, le bon sens de la protection. Je vous propose aussi, à défaut de longs discours, de revenir sur les avancées de cette année. Il n'y a pas eu seulement un aspect négatif à retenir de cette période, car 2020 n'aura pas été une année blanche, les dossiers ont bien avancé. Laissons l'atmosphère morose de côté et tentons d'examiner ce qui nous permettra d'espérer à des lendemains meilleurs. Je serai accompagné dans cette tâche qui est la mienne par un certain nombre de vos élus,
pour briser la monotonie d'un discours long et ennuyeux. Cela vous permettra également de faire connaissance avec celles et ceux qui s'investissent énormément, quotidiennement, à votre service. Rendre service, proposer pour chacun activité et meilleur cadre de vie. Cette année 2020 avait pourtant commencé sous les meilleurs auspices, remplie de beaux projets. Par exemple, la culture, qui aujourd'hui semble être très malmenée, avait une programmation bien dense et qualitative sur notre commune. Et durant les premières semaines de cette année 2020, les hivernales ont pu se dérouler d'une manière habituelle, laissant les spectateurs comblés, ce qui avait aussi ravi les artistes présents, que d'émotions partagées. Les organisateurs pouvaient être satisfaits de cette action mise en place et prévoir d'autres moments aussi éclatants. Sans compter que nous avions accueilli une délégation polonaise de notre ville jumelle de Mienzechut dans le courant du mois de janvier. Ils étaient venus participer à la commémoration des 45 années de cette signature de notre jumelage, mais aussi ce déplacement correspondait au centenaire de l'arrivée massive de l'immigration polonaise, venue soutenir à l'époque notre région et notre pays, qui devait se reconstruire après la terrible épreuve de la Première Guerre mondiale. Ces moments nous ont permis d'apprécier les qualités vocales du groupe Finart de Mienzechut, qui se sont produits à deux reprises dans notre commune courant janvier. Les discussions, très riches, avaient été déterminantes. Un calendrier prévisionnel chargé avait même été mis en place. Celui-ci devait nous conduire jusqu'en février 2021 sur des échanges sportifs, artistiques, entre différentes associations et administrés de nos deux villes. Nous connaissons la suite. Une pandémie et puis plus rien. Nous rebondirons. Même constat pour nos associations qui vivaient pleinement leurs activités voulues par leurs adhérents et responsables. Tout se déroulait pour le mieux, dans le meilleur des mondes, et un jour, tout s'arrête. Tout comme cette magnifique exposition qui fut proposée durant la première semaine de mars sur les mines, avec l'aide de M. Collin, des membres de l'association historique des mineurs de la Fosse 8, Fosse 9, 9 bis, et des sociétés colombophiles du secteur. Juste à temps pour que les élèves de nos écoles et les nombreux visiteurs puissent l'apprécier, à quelques jours près, rien n'aurait été possible. Tout se déroulait normalement, mais nous commencions à sentir une certaine fébrilité par des annonces de plus en plus sombres. Les élections municipales ont eu lieu in extremis. Merci aux électeurs d'avoir participé, malgré le climat ambiant qui devenait si particulier et tendu. La population s'est néanmoins déplacée en masse et a souhaité largement poursuivre sa destinée dans la continuité du groupe majoritaire sortant pour continuer ensemble. Nous pouvons nous satisfaire de ce choix qui place notre commune sur le chemin du progrès et permet de croire en des perspectives réelles d'avenir pour nos habitants. Ostricourt pouvait être rassuré par son choix, nous pouvions tous être rassurés et remercier nos électeurs. Les urnes avaient parlé. Mais nous n'envisagions pas ce moment-là que l'installation du conseil municipal se déroulerait avec plus de 2 mois de retard. Alors que certaines communes restaient dans l'incertitude d'un deuxième tour annoncé, mais non encore défini. Je tiens d'ailleurs à remercier tous les anciens élus municipaux qui ont continué à s'impliquer naturellement dans la vie ostricourtoise durant toute la période du confinement et qui ont été d'une aide précieuse en cette période difficile. En effet, le nouveau conseil municipal n'a été installé que le 23 mai 2020. Je profite de cet instant pour me plonger dans cette transition et vous affirmer toute la chance que j'ai d'être si bien accompagné dans la mission qui est la mienne depuis près de 8 ans. D'anciens élus avaient décidé de ne pas se représenter. C'est un choix républicain devant une mission municipale qui demande beaucoup d'investissement. Je remercie chaleureusement celles et ceux qui se sont investis sur une période plus ou moins longue. Toutes et tous méritent notre attention. Mais il me faut en particulier mettre davantage en avant
l'action de quelques élus qui laisseront une empreinte plus prononcée dans la vie de notre conseil et de notre commune. Karima Ben Balouli s'y investit dans la vie périscolaire durant 12 ans. Jean-Yves Coget, au service sur la même période de l'environnement et de nos finances locales. Isabelle Druel, Cortebec, s'y impliquait politiquement et syndicalement, élue au conseil municipal depuis 1995, adjointe au maire au logement depuis 2001 et des écoles sur le dernier mandat. Sans oublier Monique Novatsky-Rizzo, élue depuis 1983, efficace, discrète, dans un domaine difficile des affaires sociales. Elle a apporté ce qu'elle pouvait à de nombreuses personnes dans le besoin. Responsable de l'état civil, elle adorait unir par les liens du mariage les jeunes et moins jeunes tourtereaux. Ils se sont éloignés, mais restent néanmoins attachés à la vie de notre groupe et à poursuivre leur action d'une autre manière dans notre belle cité. Ils ne peuvent être remplacés facilement, mais l'équipe municipale s'est restructurée. Sur les 29 élus, 12 sont nouveaux, 7 de la majorité, 5 de l'opposition. L'équipe est donc expérimentée, mais renouvelée, à chacun de s'investir pour une bonne gestion collective, dans un bon état d'esprit. Je le souhaite ardemment. Un programme sur 6 années a été élaboré durant cette campagne électorale. Oui, mais de nombreux projets étaient déjà prévus cette année. Certains ont dû être suspendus dès le mois de mars par l'arrivée du premier confinement et remplacés par ces questions que nous ne nous posions pas auparavant et auxquelles il fallait répondre promptement. Attestation de déplacement, restrictions, maintien de nos services aux administrés, reprise scolaire du mois de mai, achat de produits désinfectants et matériel d'hygiène, de l'achat et de la distribution des premiers masques dont chaque habitant avait besoin. Ce sont nos amis de Mienne Zéroute qui nous ont permis l'achat rapide de ceci pour l'ensemble de la population, y compris pour les enfants, avec différentes tailles proposées. Il a fallu ensuite procéder à la distribution de ces derniers à chaque Austricourtois d'une manière organisée, avec des gestes barrières à apprécier. Tout s'est passé dans la bonne humeur. Au cœur de cette crise, notre mission première a été de vous accompagner au mieux et de vous informer de la manière la plus claire possible des nombreuses mesures qui ont dû être prises. Ainsi, l'affichage dans les commerces a été renforcé pendant les deux phases de confinement. Notre site internet et notre page Facebook sont devenus de véritables vecteurs d'information grâce auxquels nous avons pu vous informer en temps réel de toutes les informations dont nous disposions. Il a fallu trouver des solutions pour informer toute la population, sans exception. De ces réflexions sont d'ailleurs sorties de nouvelles idées qui sont à l'étude et qui, nous l'espérons, nous permettront à l'avenir de vous informer encore plus rapidement et plus directement des informations importantes de la vie de notre commune. Après toutes ces nouvelles réflexions, il a fallu établir un budget qui exceptionnellement cette année a été voté en juillet, dès que cela était possible, dès la sortie du confinement et après l'installation du nouveau conseil municipal. Un budget qui nous permet à la fois d'assurer la continuité des services rendus aux habitants, mais qui est aussi marqué par une volonté ambitieuse de réaliser nos projets, de continuer notre action, de poursuivre, de réaliser la modernisation de notre commune. Mais il s'agit aussi d'un budget responsable et réaliste qui nous a permis encore cette année, comme les précédentes, de ne pas augmenter les taux de la fiscalité directe locale et donc de ne pas alourdir la charge financière de nos habitants. Vos conseillers municipaux se sont adaptés aux décisions des différents ministères relayées par des arrêtés préfectoraux, pas toujours clairs à interpréter, et souvent corrigés ou complètement modifiés quelques jours après. Nous avons gardé le cap en garantissant à la fois la sécurité de tous et le maintien des projets nécessaires à la vie de la commune avec l'aide des services municipaux, qu'il faut encore une fois remercier. Parmi ces derniers, il faut saluer l'effort de chacun, mais je tiens à mettre en avant le travail considérable de l'ensemble des responsables de services. Nous voici ici dans le quartier de la gare, qui malgré une année un peu perturbée par ce virus,
les travaux ne se sont jamais arrêtés. Donc on a ici un aménagement qui va être magnifique, du parking, des chaussées refaites, des arrêts de bus, enfin on aura un maximum de choses. Bien sûr que sans l'aide de la région, de la communauté de communes et bien sûr de la ville, nous n'aurions pas été aussi performants dans les travaux. Mais les autres travaux aussi n'ont pas été arrêtés plutôt. Je veux dire que les trottoirs de la rue Savenant, de Frotin, la rue de Frotin et du Tailly, les trottoirs ont été refaits. Le parking Robert Ancelin tout autour de l'école est un aménagement magnifique qui permet aux gens de ne pas être trop loin de l'entrée de l'école et être en toute sécurité pour aller chercher leur bambin. Les chaussées des petites impasses du Bois Saint-Éloi ont été macadamisées, les cinq, ce qui fait qu'aujourd'hui plus aucune n'est en gravier de Seine. Donc voilà, donc on continuera à faire des tranches de travaux sur 2021 sur du trottoir, du macadam. La sécurisation de nos quartiers se poursuit avec des aménagements de la rue Augustin de Frotin et Charles du Tailly. Ces aménagements prépareront l'installation de notre prochain jardin solidaire courant 2021. L'installation des caméras de vidéoprotection continue également. D'ici quelques semaines, des dispositifs vidéo seront installés. En termes de mobilité, une réflexion a vu le jour entre la municipalité et la communauté de communes Pével-Carambeau. Ceci permettra de sécuriser la circulation des cyclistes et de relier les chemins de randonnée. Le nouvel exécutif de la communauté de communes Pével-Carambeau s'est mis en place tardivement, conséquence de ces élections reportées. C'est Luc Foutry qui en est devenu président et est en charge de sa destinée. Nous lui souhaitons bon courage, ainsi qu'à ses 51 collègues du conseil communautaire Pével-Carambeau, pour que les choix qui vont s'opérer permettent un projet de territoire de qualité dans la persévérance, ne laissant aucune de nos 38 communes isolées sur elles-mêmes. C'est ensemble que nous serons plus forts et construirons un avenir meilleur pour les jeunes générations. De nouveaux projets sont en étude, comme la création, juste derrière moi, d'une nouvelle zone économique à proximité de Delta 3. La crise sanitaire n'a pas arrêté notre travail et les réunions en visio et même en présentiel se sont poursuivies. La signalisation routière a également été renforcée. Une grande campagne de remplacement de nos panneaux signalétiques et de nos plaques de rue a commencé en 2020 et se poursuivra en 2021. Afin de remplacer les plaques abîmées et de doter toutes nos nouvelles rues de nouvelles plaques. Nous nous sommes donc affairés à rénover nos bâtiments, nos quartiers, nos rues, mais nous avons aussi, cette année, finalisé le projet de chaufferie biomasse qui aura un impact économique et écologique non négligeable pour la ville. Les travaux sont maintenant terminés et le bâtiment chauffera entièrement l'école du courant d'eau, la maison du temps libre et la salle de sport Roger Salengros. Le développement durable est un enjeu majeur de notre société. C'est pourquoi la ville soutient également le défi Famille zéro déchet lancé par la Pével-Carambeau et dans lequel une dizaine de familles ostricourtoises se sont engagées. Les familles ostricourtoises se sont en effet beaucoup engagées cette année pour le développement durable pour certains et dans des actes de solidarité pour d'autres. Vous avez peut-être pu le voir sur nos réseaux sociaux, de nombreux élans de solidarité se sont créés à Ostricourt. Pour nos soignants, dans un premier temps, nombre d'Ostricourtois se sont lancés, dès le premier confinement, dans la fabrication de masques, de visières, et ont envoyé beaucoup de messages de soutien. Puis, d'autres élans de solidarité ont vu le jour pour nos habitants les plus en difficulté, cette fois. Nombre d'entre vous ont apporté leur aide à leurs voisins, leurs proches. Nos artistes se sont engagés, comme René Solaire, qui a récolté 1260 euros au profit du Centre communal d'action sociale en vendant ses toiles. Les enfants des garderies ont confectionné une petite décoration de Noël au profit des aînés, joint au colis de fin d'année. Sujet sur lequel Brigitte Ringaud reviendra dans un instant. C'est Sylviane Jourdain, dans sa délégation, qui a accompagné au mieux nos administrés auprès des bailleurs sociaux.
Les familles ont été durement impactées par la crise sanitaire et ont eu, elles aussi, à s'adapter cette année. Le CCAS a travaillé durement pour accompagner les familles en difficulté. Une assistante sociale a d'ailleurs été recrutée cette année afin d'accompagner ces familles et de les orienter au mieux dans leur démarche. Les distributions de bons alimentaires se sont poursuivies, les inscriptions à l'épicerie solidaire généralisées et une distribution de colis alimentaires a été organisée avec le département du Nord afin d'aider les familles au sortir du confinement. N'oublions pas nos aînés qui, eux aussi, ont été impactés par ces mesures. Le CCAS a travaillé durement pour accompagner nos aînés les plus isolés. Cet été, un recensement des personnes âgées de plus de 70 ans a été réalisé et permettra ainsi à notre assistante sociale de garder le contact avec ces derniers. La distribution du colis de Noël a dû elle aussi se plier aux règles sanitaires et nous avons décidé, pour la sécurité de nos aînés, de transformer la traditionnelle distribution en une livraison à domicile par le conseil municipal. Ce sont donc 560 colis qui ont été livrés chez l'habitant juste avant Noël. La période de Noël, si conviviale et festive, est restée importante à nos yeux. Bien que les rassemblements soient interdits, cette année, nous avons choisi d'investir dans de nouvelles illuminations de Noël afin de décorer nos rues et de mettre du baume au cœur à tous les habitants d'Austricourt. Nos enfants, dans les écoles et nos collégiens, ont traversé cette période avec courage et parfois pour certains sans comprendre réellement pourquoi on leur a imposé de telles restrictions. Nous avons respecté les protocoles, les différents protocoles nationaux qui sont apparus au fur et à mesure et on a respecté ces protocoles à la lettre. Les réflexions furent longues avec les directeurs d'école, avec le conseil municipal, les différentes instances associées de façon à permettre une continuité dans l'instruction des enfants. On s'est posé la question du spectacle de fin d'année, mais on a décidé de le faire en respectant les protocoles, les groupes, ne pas faire de brassage. Nous avons donc organisé 10 spectacles de Noël par petits groupes et les enfants ont pu profiter d'un peu de magie de Noël. Et à la sortie des spectacles, eh bien, les coquilles traditionnelles ont été distribuées. Voilà. Beaucoup d'enfants étaient contraints, pour des raisons liées à la crise sanitaire, d'arrêter leurs activités extrascolaires le temps des différents confinements. Les équipes d'animation ont donc travaillé toute l'année pour offrir du divertissement à nos enfants. Cela, dans le respect des protocoles sanitaires stricts, afin d'offrir et de garantir un service de qualité. Les activités proposées furent, durant les accueils de garderies périscolaires, des accueils méridiens et lors des accueils de loisirs sans hébergement. Pour les ALSH, bien que les sorties furent impossibles, de nombreuses animations ont été proposées et les fêtes de clôture se sont maintenues. Cela grâce au travail réalisé en étroite collaboration avec le service enfants-jeunesse de la communauté de communes Pével-Carambeau. Ainsi, des blogs ont été créés au cours de l'année afin de publier des photos et des vidéos de ces moments festifs pour les partager avec les familles qui ne pouvaient plus y assister pour les raisons sanitaires que nous connaissons. En parallèle, la halte garderie Pirouette a repris ses activités afin d'assurer une continuité de service. Le relais petite enfance de la CCPC a aussi travaillé en ce sens pour offrir aux assistantes maternelles de notre ville un soutien tant sur le plan administratif que relationnel. Enfin, nous avons veillé à rester à la disposition et nous sommes restés à l'écoute de tous nos collaborateurs en lien avec l'enfance et la petite enfance. Pour nos associations sportives, ce fut une année difficile et les championnats ont été interrompus. Les tournois et les challenges n'ont pas pu être organisés, excepté pour le tennis club de Loflard qui a pu organiser son tournoi open du circuit Gaillan. Ce tournoi a pu se tenir grâce à un chantier qui a pu se terminer. Il s'agissait donc de réparer l'éclairage qui doit être conforme aux normes.
Voilà un exemple concret des réalisations que nous avons faites pendant cette crise sanitaire. Malgré la crise, les entraînements ont toujours été maintenus lorsque c'était possible, même lorsque ceux-ci ne l'étaient que pour les mineurs. Ceci grâce à la mise en place de protocoles stricts et à la mise à disposition de matériel désinfectant. Ainsi, l'activité sportive a pu se poursuivre au sein de nos salles de sport pour tous les élèves au SRI Courtois et pour tous les jeunes qui fréquentent les accueils de loisirs du centre social ou intercommunal. Parmi les autres réalisations concrètes durant l'année 2020, nous avons installé au stade municipal de football un nouvel éclairage en LED qui permet la réalisation des entraînements en nocturne. Malgré la crise, les aides aux associations ont toutes été maintenues et nous espérons les retrouver tous le plus rapidement possible dans le cadre de leurs activités. Monsieur le maire en a déjà parlé, notre saison culturelle et festive en 2020 avait bien débuté. Avec nos hivernales théâtrales et musicales, c'était il y a un an déjà. Avec l'exposition sur la mine et les mineurs, fiers de notre bassin minier, c'était il y a un an, c'était il y a un siècle, cela paraît une éternité. Stoppés dans notre quotidien, nous avons dû, comme chacun d'entre vous, nous adapter et innover. Je le disais, nous avons dû nous adapter, innover, réinventer, initier. Nous adapter, la médiathèque, c'est d'adapter rapidement en proposant un click and collect drive et une livraison pour nos aînés à domicile. Pour délivrer des livres et continuer à diffuser la culture et l'imagination. Innover, notre salon des artistes est devenu un salon des artistes 2.0, un véritable musée virtuel. Nous avons dû nous réinventer avec le concours des façades décorées. Initier une opération de solidarité culturelle pour les enfants des Restos du Cœur. Une belle initiative, chaque enfant a eu son cadeau, merci beaucoup pour votre générosité. Nous avons préparé en 2020 le rallye familial des Journées du patrimoine et du développement durable aurait dû se dérouler. Il est prêt, il ne nous reste plus qu'une date à fixer en 2021. Organiser, se réorganiser. L'école de musique est rapidement passée en cours en distanciel, avec des petits moments, heureusement, de présentiel. Quoi qu'il en soit, la musique, la passion a continué. Souplesse, adaptation, innovation, tous ces ingrédients qui sont essentiels pour le lien, pour créer ce lien qui nous unit, le lien social. Mettons-nous au diapason pour vivre à l'unisson avec l'espoir unanime de voir la culture et les festivités retisser ce lien essentiel, le lien social. Allez, venez. Venez dans la danse pour que vive la culture et la musique. Thank you.
Comme vous le voyez, de nombreux projets ont été menés à terme et de nombreux autres sont toujours en cours. Nous pourrions en citer bien d'autres, comme la renaturation du filet Morin, les places de covoiturage créées avec la Pével Carambeau, la plantation d'arbres sur la trame bleue, trame verte, mais nous ne pouvons pas en quelques minutes tous les énoncer. Pourtant, toutes ces réalisations nous permettront d'engager de nouveaux projets en 2021. Avec les travaux réalisés à la zone d'expansion de Crux, rue Jules Guesde, ce sont bientôt les travaux d'assainissement rue Florent Évrard qui pourront débuter. Le planning est fixé sur plusieurs années, mais sera lancé dès 2021. J'en fais le vœu. 16 ans de travail acharné, d'études de faisabilité, mise en route par mon prédécesseur Robert Ancelin en 2005. Nous commençons à voir la fin du tunnel. C'est Noréad qui devrait lancer le chantier, si tout va bien, dès cette année. Une fois que les réseaux d'assainissement et d'eau potable seront rénovés, toute la voirie sera restructurée avec l'enfouissement souhaité de l'ensemble des câbles électriques. Encore un peu de patience et beaucoup de courage pour affronter les travaux. Des réunions seront nécessaires dans les prochains mois pour préparer avec les riverains et les commerçants ces opérations. Autre grand projet à l'étude, qu'il nous reste à finaliser et à tenter d'obtenir les financements pour la rénovation complète de l'école Roger Salengro sur plusieurs années. L'étude devrait être complétée cette année pour des travaux que nous envisageons tranche après tranche. Nous avons maintes fois évoqué la restructuration du centre-ville. Notre plan local d'urbanisme, adopté en ce début d'année, le prévoyait avec une collaboration entamée à la fin de l'année 2018 avec l'établissement public foncier et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Nord. Aujourd'hui, cette étude se précise. De nombreuses réunions ont déjà eu lieu. Les commissions continueront d'examiner les propositions et lorsque le projet sera un peu plus concret, nous le présenterons aux commerçants et aux habitants, car la dynamisation de ce centre-ville ne peut se faire sans vous. C'est un nouveau cadre de vie que nous construirons ensemble et que chacun s'appropriera avec une identification significative de notre commune. L'objectif reste de structurer un ensemble cohérent et qualitatif dans l'intérêt de tous, un outil pour nos commerces, nos artisans, le monde médical et paramédical. Le chemin est long, il se fera par étapes, mais le changement et le progrès est à portée de nous. Dossier très prenant, mais aussi très passionnant. J'ai d'ailleurs une pensée particulière pour l'ensemble de nos commerçants austricourtois, nos artisans, nos médecins, nos pharmaciens, nos infirmiers, nos infirmières, les aides-soignants, le monde médical en général, qui ont dû se battre face à une année complexe. Nous avons, lorsque cela était possible, travaillé avec eux pour les aider à maintenir le cap.
C'est pour cela aussi que nous avons exceptionnellement décidé d'offrir une jacinthe à tous nos aînés dans le colis de Noël, afin d'accompagner notre fleuriste. Nous pensons également à toutes les associations dont les activités ont été suspendues cette année et espérons vivement les revoir très vite. Sans eux, la vie serait impossible. Merci à vous toutes et à vous tous. Il n'y a pas que le centre-ville qui compte. Les autres quartiers n'ont pas été oubliés et ne seront pas oubliés, comme nous nous y étions engagés. C'est ainsi que, par exemple, des voies d'accès ont été macadamisées sur le domaine du Bois Saint-Éloi. La rue Anatole-France sera sécurisée avec l'installation future d'un feu tricolore intelligent pour mieux réduire la vitesse et permettre une sortie plus sereine en venant des rues Herriot, Simone de Beauvoir et Marguerite Duras. D'autres aménagements sont en cours de réflexion le long de nos départementales avec les services concernés. Les constructions de la cité du Bois Versé, site sur lequel je suis présent, se sont poursuivies. La première tranche devrait bientôt toucher à sa fin, avec un peu de retard dû au Covid. Le lotissement de la rue Saint-Venant, plutôt réservé aux personnes âgées et à mobilité réduite, vient de démarrer sur cette fin d'année. Tout comme la société SIA, qui a déposé son permis de construire pour 16 nouveaux logements du même type sur la rue Braque-des-Rousseaux. L'année 2020 fut une année très compliquée pour tous, mais tout de même une année de réalisation envers et contre tout, et surtout contre et avec cette épidémie. Une année pendant laquelle une nouvelle équipe élue par les Austricourtois a été installée et a continué l'œuvre de la précédente. Permettez-moi d'ailleurs à cette occasion de les remercier tous pour l'immense travail effectué au sein de notre commune. Notre nouvelle équipe a malheureusement dû faire à une situation inédite, mais elle a pu s'appuyer sur l'expérience de l'ancienne équipe, mais aussi sur la vision et l'expérience de notre maire. Il est toujours à l'écoute. Il est animé d'une volonté farouche de construire, de poursuivre et de continuer. Au nom de l'ensemble des conseillers municipaux, je tiens à le remercier pour sa présence, son soutien et son implication de tous les instants. Nous le savons, la fonction de maire est passionnante, mais elle est parfois complexe, quelquefois délicate et toujours prenante. C'est pourquoi le soutien de sa famille est si important. C'est pourquoi aussi, au nom de l'ensemble du conseil municipal, j'adresse de profonds remerciements à sa famille qui accepte, qui nous consacre et qui continue à nous consacrer, à nous tous ainsi qu'à notre commune, autant de temps. Après une année 2020 si complexe, 2021 marque le début d'une nouvelle période que nous espérons plus sereine. À l'aube de cette année, l'ensemble des conseillers municipaux et moi-même, nous vous présentons, Monsieur le maire, tous nos vœux. Que 2021 vous apporte ainsi, à vous ainsi qu'à tous vos proches le bonheur, la santé et la réalisation de tous vos projets. Puisse-t-elle être pour vous riche de joie, de promesses et de bons moments. Chers habitants, la cérémonie des vœux est aussi traditionnellement l'occasion de présenter les vœux aux Austricourtois. Que vous souhaitez de plus, à part les traditionnels souhaits de bonne santé, d'autant plus importants aujourd'hui, et de bonheur, sinon que de continuer dans une période plus calme, loin de cette épidémie qui sera, nous l'espérons, bientôt loin de nous. Une nouvelle période s'ouvre à nous, marquée par nos récentes expériences qui nous ont permis de nous rappeler l'importance de la solidarité et de l'entraide. Mais c'est surtout une période pleine d'espoir que nous venons de débuter, l'espoir de réaliser, de nous améliorer et de continuer. Je vous souhaite en mon nom ainsi qu'au nom de l'ensemble du conseil municipal, à tous et à toutes, une très belle année 2021. Puisse-t-elle être l'année de toutes les réalisations, de tous les projets, de toutes les victoires et de toutes les joies. Merci pour ces vœux. Merci pour vos mots qui me touchent particulièrement, ainsi que l'ensemble de ma famille. Ça me donne envie de continuer à vos côtés. Je suis bien épaulé par toute une équipe. Mais, Madame la Première Adjointe, je ne vous ai pas découvert cette année, mais je suis tout aussi bien secondé qu'auparavant par Monique Grisot et je vous en remercie et à mon tour, je vous souhaite une excellente année. Voilà, nous arrivons presque au terme de cette brève présentation. J'aimerais remercier celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de ce film, les musiciens qui nous ont accompagnés.
Nous pourrions encore continuer longuement. Le bilan, les projets n'ont aucune limite. Il aurait été plus agréable de vous les présenter de vive voix en votre présence, mais ce n'était pas possible. La municipalité tente toujours de vous aider au mieux, même dans la difficulté. Car c'est ensemble que nous construisons mieux le temps présent et l'avenir de notre ville. Merci à vous toutes et tous pour votre aide. Le maire de la ville de Sricourt a de la chance de pouvoir compter sur l'engagement de sa population, du monde associatif, des services de la ville, des partenaires importants. Je ne peux tous les citer aujourd'hui. J'ai la chance de pouvoir compter sur une équipe municipale soudée, engagée, responsable, sérieuse, composée d'anciens plus expérimentés et de nouveaux tout aussi dynamiques, des collègues, des amis fidèles. Nous revendiquons ensemble cette volonté d'avancer. Éloigné de vous par cette crise sanitaire, je reste naturellement présent à chaque instant à votre écoute. J'espère que bientôt, cette crise sanitaire sera derrière nous et que la vie retrouvera sa normalité, que nos contacts soient plus nombreux et plus directs. Il me tarde de vous retrouver et de vous côtoyer à nouveau. Du fond du cœur, je vous souhaite une très bonne année positive 2021 à toutes et à tous. La santé, bien entendu, mais une année également constructive, lumineuse, heureuse, remplie de voix et d'espoir. Vive Sricourt, vive Mienzerhout, vive notre communauté de communes Pevel-Carambeau, vive notre République.